Oui, il m'a inquiété. Vas-y. On va t'expliquer quand même le secret de notre réussite, la révélation, Réussite. pourquoi on était aussi fort par rapport à toi. Pardon. T'es d'accord? Avant qu'on tombe et qu'on casse le moteur. Tu t'es bien rendu compte qu'il y avait une nette différence entre nous et toi quand même. Ouais, mais bon, nette différence, ça dépend ce que tu appelles nette différence. Parce que bon, attends, on parle d'accélération pure, de vitesse et de performance. Et je vous ai pas vu. Mais est-ce que tu as remarqué avec mes 15 kilos de plus que toi? Ouais. Est-ce que tu as remarqué quand même qu'au niveau performance, je te tenais? Ouais. On va te révéler le secret, le vrai secret. Aïe, aïe, aïe. Alors, le secret, c'est pas seulement d'avoir une moto rouge avec des numéros 146. Non, ça, c'est... Ou d'avoir perdu 2 kilos pour rentrer dans la combi. 2 kilos. Ou d'avoir refait la peinture dans la combinaison. Hein. Le secret, c'est pas compliqué, il tient dans la démultiplication. Cation. Vas-y. Ah, c'est le bon enfoiré, c'est vous qui m'avez dit là. Il faut mettre pignon de 16 et tout, vas-y. Mais on a mis du 20. On a mis du pignon de 20. Non. Si. Ben non. Et pas de 20. Et à la place de rouler en 5e, on roule en 4e. Voilà. N'importe quoi. Si. Mais non. Bon, on va lui dire vraiment la vraie vérité. Ouais. On a mis du pignon de 15. Quand vous avez descendu encore les pignons. Mais ouais. C'est pour ça que ça part aussi vite en sortie de virage. Eh ouais. Allez, salut. Quand tu venais avec tes clapets, tes boîtes à l'air. Ah, vous avez essayé de trouver un. C'est incroyable. Pignon de 15. Ouais. T'as d'origine, il y a 17, moi il y a 16, maintenant vous descendez à 15 et c'est de mieux en mieux. Ouais. Moi je mets un pignon de 12. Moi c'est implacable. 14, il paraît. Ah, implacable. Arrête. Ouais. Ouais. Bah, c'est vrai qu'à Carole, de toute façon, t'es jamais à fond de 6. Mais 165, on était. Ouais. C'est pour ça que. Ouais. Tu sais, quand je te dis que je regarde la vitesse de pour voir un petit peu à quoi t'arrives. Sur une route normale, t'es à 195, avec le pignot de 15. Ouais. Avec Michel, j'ai essayé de. Mais t'es en zone rouge, t'es à fond. Ah, ça, je sais pas. Non. Ouais, parce que, ouais. D'ailleurs, je veux dire, quand t'es à 165, t'es toujours pas à fond. Je veux dire, à 40, t'es pas à fond. Ouais, mais oui, t'es jamais à fond. Mais avec le 15. Ouais. Donc, on s'est dit, on peut même mettre du 80. Et voilà. Le secret est finalement révélé. Salaud. Bon, j'ai dit, bon, on essaye. Ah bon. Attends, il faut que je mette des plaquettes de freineurs, des pignots de 14. Et voilà. Ah, ah ouais. D'abord, 15, nous on essaye. 15, ah ouais, 16. Ouais. Bon, je prends toute la gamme jusqu'à 10. Et puis on va essayer. C'est vrai, on peut essayer. Mais si tu mets du 14, t'es obligé de raccourcir la chaîne. Ah ouais, t'es trop près. Ouais. Ouais. Donc, parce qu'avec le 15, déjà, moi je suis limite dedans. Là. Le secret de la réussite. Ah les salauds. Mais vous allez magouiller ça. Mais non, venir. Par maintenant. Hasard. Hein maintenant, par hasard. Le seul truc à faire, c'est faut pas le dire à Michel. Parce que si Michel le sait. Non mais, Michel non, mais lui bon, dire, Michel, là il va être. Ah, Michel, je pense qu'il va dire. Pleurer un peu, ouais. Michel, ouais, ouais. Ouais. Bon, il y en a, on se cotise. Je viens d'acheter un pilule. À rigueur, t'as fait une opinion. À rigueur, on s'est même posé la question pour les 14. Hein. Attends, de 17 à 14. Ouais, putain. Ça ferait. Ouais. Mais aussi longtemps que t'es pas à fond. Ouais. On y voit ah oui, pour les petits circuits qu'on roule. Tu vois les mecs là qui partent. Mais pourquoi tu es allé voir sur les. Non, je me suis dit, de toute façon, t'es en bout, t'es pas à fond, t'as de la marge, hein? Autant baisser. Hein? Ah, bien enfoiré. Ah, mais tu vois que ta moto est performante parce que t'as, je veux dire, moi, l'accélération, je te prenais pas. Hein. Ouais, on se tenait, Parce qu'une fois, t'es dit, bon, moi, j'ai regardé à l'accélération, j'ai dit, c'est pour ça que je voulais que tu roules devant. Voilà. Ouais, mais oui, pour comparer un peu, pour voir ce que ça donne. Hein? Ah, ouais. Je me dis, putain, elle pousse pas plus, elle a, tu vois, j'ai dit, bon, après, elle est dans une poids, quoi. Ouais. Ah, c'est intéressant, moi. Tu dis merci au Riesling Racing Team. Merci Riesling. Et puis voilà, tu dis à la prochaine pour. Et puis on refera une interview après Manicourt pour le compte rendu de tout ça. Quand sera la couronne de Bécane de Trial. Et tu dévoiles pas le secret à tout le monde. Non, on garde ça pour nous, entre nous. Ouais. Merci. Merci le Riesling. À la prochaine. Au revoir.